السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين غابينات. اليوم عندنا هاد الوصفه السهله والجميله واللي كتجي لذيذه بزاف واللي الزنفون كيحماقوا عليها. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. فلنبدا على بركه الله. وصفه سهله التحضير. وشنو عندنا هنايا؟ عندنا 350 غرام صدر دجاج، حروره حمراء، بصله مشلضه، وبصله خديت لها غير لي تيج ديالها، ولا باش كيري. بسم الله. Allez, on y va. كاين لا مغرفه ولا فرشيطه، رابح ما دارش لا فيسيل. Donc là on met un petit peu de sel. Alors au niveau des quantités, on a 350 g de blanc, enfin de blanc de poulet. 300, t'as vu combien de temps? Ouais, dès qu'il y a 350 g. Tu commences pas s'il te plaît. C'est moi qui parle français que tu parles arabe, d'accord? On a mis 350 g de viande, pas de viande hachée, de blanc de poulet. Un poivron rouge, donc un oignon et des tiges d'oignon vert. Et en fait, cette quantité là, c'est en fonction du pain de mie que vous avez, les amis. Vous allez pouvoir en faire peut-être 7 ou 8 pain de mie. Allez, je suis le commis de service aujourd'hui. Paprika, donc là tu mets une cuillère à soupe, t'as mis du sel, du poivre. Ah, ça sent bon, Asya. Ça sent très très bon là. Et là tu vas cuire ça donc pendant environ, on va dire 7 à 8 minutes. Ah, mets un peu de ketchup. Deux cuillères à soupe, une cuillère à soupe. D'accord. Donc là, on éteint le feu et puis après tu mets le citron, c'est ça? On met ça D'accord. Après, tu éteins le feu quand tu mets le citron, d'accord? Tu éteins le feu quand tu mets le citron. Voilà, exactement. C'est ça, c'est première. Voilà. Quand on met le citron, on éteint toujours le feu, comme ça, on a un bon goût de citron et on a très peu d'amertume. Alors, la préparation est prête. On va pouvoir passer au montage, Asya. Yallahou, bina. بعد ما طابت لينا هذيك الحشوه غادي خليتها هنا تبرد، قشرت هذوك لي فاش كي حطيتهم هنا وجبت الخبز ديالي هذا بحال هذا الشكل هكا وقطعت له الجوانب ديالو. انا ما قطعتيش هنا يا حبيبتي، باقي 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 باقي. نحيدوها نقطعوها بحال بهذا. اوكي، هذا الشيء ما غاديش نرميه، غادي نيبسو، غادي نديرو لا شابور. Voilà, donc on va récupérer les parures pour faire de la chapelure, les amis. Donc ne jetez rien. Ensuite, là ici, attention, je parle en français, s'il te plaît, moi de Fadrak. Donc ici là, j'ai débarrassé Asya la garniture pour avoir justement quelque chose qui soit pas trop chaud pendant le montage. Et entre temps, elle a épluché. Ah, elle a retiré l'emballage des vaches qui rient. J'ai bu le rouleau haka ou le hilal, ou tu peux haka. Voilà. Donc là, vous récupérez chaque pain de mie et vous le passez au rouleau comme ça pour bien l'aplatir. Donc là, elle va répéter la même opération avec tous les pains de mie et on se retrouve donc tout de suite. À tout de suite. Bon, les amis, ils rigolent parce que j'avais pas enclenché le bouton pour filmer, donc on a commencé à parler pour rien du tout quoi. Donc là, en fait, elle est en train de tartiner les pains. Donc en fait, vous tartinez pas tous les pains, vous tartinez juste la moitié des tranches de mie de pain. Si vous en avez 10, vous en tartinez que 5 parce que vous allez les rassembler, les coller ensemble. Donc il n'y a pas besoin de tartiner les deux parties. Ok, faites même un blarbia. Il kiji wahl madak wa'r. Asya, on veut une démonstration. On alors, veut une démonstration. Ouais, attention au jus, mettez le jus bizarre hein, parce que sinon elle est très comme la pâte. Donc ne mettez pas trop de jus dedans hein, parce que vous allez détremper vos pains de mie. Là, récupère le pain de mie où il n'y a pas eu le fromage dessus et voilà, vous soudez. Ouais, et attention de ne pas le déchirer le pain de mie, hein, c'est assez fragile. Hein. Voilà, et là vous faites le tour, exactement. Ça va être bon, les amis. Hein. Ça va être bon. Il y a un sandwich qui est. Raya. Ouais. Alors, j'ai pris la chapelure. Trois œufs, je t'ai mis. Alors, je t'ai mis trois œufs. Voilà. Un demi-verre de lait et j'ai mis trois œufs entiers. Donc là, bien saler légèrement donc, les œufs. Je suis là, Asya. Hop là. Voilà.
ونجيب هذوك الخبز ديالي اللي عمرتو هكا بهذا الشكل. دونك لا اسبيك لور تو زا ريزيرفي دون ان بلاستيك justement pour pas qu'il sèche, c'est ça? درتو انا هنا فواحد الشكيره باش ما يغسليش. اوكي. دونك لا تو لي ترامبي. دابا ربح راه يقول لي خفي شويه. Tu les trempes rapidement. انا ثقيله شويه. Non, ma chère est très là parce que si ça reste trop longtemps dans les œufs, ça va absorber tous les œufs, tiens. Faut faire un passage éclair. Un truc qui est éteint, voilà. Et après tu les passes dans la chapelure, c'est génial ça. Super. Voilà. On tapote bien pour que ça s'incruste bien donc dans les œufs. Là, on a stagiaire deuxième année. Là. Ça fait 8 ans que ça dure. Je suis stagiaire deuxième année depuis 8 ans déjà, les amis. Voilà. Là, depuis un mois. Comment la phrase t'arrête? Ça fait un mois que tu fais rien, c'est ça? Là, là. في الحقيقه في الحقيقه في الحقيقه انا اسيستونت ماتيرنيل واخا الوغ هاد الاسيستونت ماتيرنيل كدير ساره ليها وهابطه لا ماشي ساره كمل هذا كمل انا اسيستونت ماتيرنيل ونطيب بزاف لي زانفون يعني اللي كنوجد لهم الغوبا يعني اللي كنوجد لهم الكوتي الوغ رابح قال لي اسيا علاش انا عم نعاونتك انا في لي زانفون باش تعمل لك لا سمعني واش انا نقول لهم اللي نعاونك عاود فيك لا سني غادي نقول لك غير انت اللي كخدمي انا فنيان لا غير تسمع ما أوكي. تقلقش في الهضره شوف واش راني نقول قال لي رابح انت ديري لو غوتي لي زانفون علاش هاد لي غوتي اللي راكي ديريهم ما تفيلميهمش حاضر وي وتحطيهم في يوتيوب علاش لا با قلت له ما عرفت موحاش يكون عندي الوقت سي ماشي لوغانيزاسيون سافا با ايت فاسيل الوغ من درت اول فيديو عجبني با عجبني En fait, j'aime bien cuisiner. Et je viens à Aziz Ali Antayeb. Aziz Ali Antayeb. Je peux traduire parce que c'est long. Ton histoire elle est longue là. Donc en fait, Asya a eu l'idée entre guillemets de créer sa chaîne c'est YouTube. C'est toi qui as eu l'idée. Oui, enfin, on a eu l'idée. Moi. Si je dis c'est moi, je pense pour celui qui suit justement. Alors je dis c'est toi. Donc en fait voilà, elle a eu l'idée par rapport aux enfants qu'elle garde parce qu'elle est assistante maternelle et beaucoup. Laisse-moi parler s'il te plaît. Et elle a donc des enfants à nourrir au niveau du goûter tout ça, donc elle s'est dit pourquoi ne pas filmer donc ce que je fais donc pour les enfants. Donc là c'est le cas. Donc là elle est en train de préparer du salé pour les enfants, du Alors, sucré et elle filme tout. Donc là je vais pique-niquer dans le jardin, il fait beau. Ouh. يعني هذه l'idée هذه جات من عند رابح. باش ندير لي روسيت ونحطهم في يوتيوب. الحباب عاونوني باش نتابع Likez, partagez et commentez. Commentez. Donc les amis, ce qui reste là, nous on va faire une petite omelette avec, ou alors on va rajouter. Après, la chapelure qui reste, vous la jetez surtout pas les amis, hein, la chapelure, vous la mettez au frigo et vous la réutilisez donc prochainement. On part en cuisson, c'est parti. Donc si vous avez une poêle qui est grande, vous pouvez mettre deux si vous voulez. Si vous avez une poêle qui est plus petite, qui est plus petite, vous en mettez qu'une. Donc là de temps en temps vous allez venir vérifier dessous la couleur. Donc là, vérifie dessous, pas encore, on attend un petit peu. Et dès qu'on a la coloration donc souhaitée, on va pouvoir donc retourner. Voir assez encore. On a une couleur qui se rapproche, ouais. Bon. On va pouvoir retourner ça. Allez, on retourne. Gentiment. Voilà. Superbe coloration. Donc voilà, on va laisser cuire, ça va assez vite. Hein. Si l'huile, votre huile est chaude, ça va très très vite. Et ensuite, nous on a préparé ça, donc une petite passoire. Voilà pour récupérer les pains. Voilà, exactement. Dès que ça colore, on les met ici. C'est bon, c'est nickel là, on va pouvoir le débarrasser. Attends, j'ai prévu ça pour le débarrasser ça. Ah, j'ai prévu ça, tu veux pas m'écouter. Ok, d'accord, qu'est-ce que je dis yeah. Allez, on va continuer ainsi de suite. Hop là. Et on se retrouve donc juste après la cuisson, les amis. الحباب ها هو الشكل النهائي ديالي لهذوك الخبيزات اللي كنت عمرتهم دابا شوفوا كي كيجي داير كيجي كروستيون كيجي سا كروستي سي 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 فريمون بون غادي نفتح لكم وحده ونوريكم الشكل ديالها كي كيجي داير Oh là là la famille! Oh là là, regardez-moi ça! Et vous pouvez même mettre du fromage râpé dedans, vous allez franchement vous régaler. C'est un truc de dingue, les amis. Franchement, ça a l'air super bon.
الحباب ما تنساوش تلايكي وتبارطاجي وكتبوا لي لي كومونتير سا مفي فريمون بليزير نتمنى انها فريمون تنال الاعجاب ديالكم والحباب وما تنساوش بلي حنا كنحبوكم بالقلب وبالكبده باي باي, باي.